L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Monde municipal. Finaliste Ville de Lévis. Réalisation, l'outil de planification financière décennale de la Ville de Lévis. L'outil de planification financière décennale de la Ville de Lévis, c'est un outil informatique qui intègre une masse importante de données. En fait, ça intègre l'ensemble des données qui sont nécessaires à projeter le compte de taxes et la dette sur une période de 10 ans. Notre objectif était de développer un outil qui permettrait aux membres du Conseil, au moment de prendre une décision importante, de connaître les impacts de cette décision sur le compte de taxes des contribuables et la dette de la Ville au cours des 10 prochaines années. On pourrait ainsi éviter des fluctuations importantes du compte de taxes des contribuables. L'outil nous permet d'anticiper les problèmes à long terme et d'informer rapidement les élus pour qu'on trouve déjà des pistes de solutions pour remédier aux problèmes. Il y a plus de 250 000 cellules intégrées à l'outil et lorsqu'on ajoute un projet, par exemple la construction d'une piscine, on va pouvoir constater le résultat sur le compte de taxes et la dette sur une période de 10 ans. Et ce, en 2 secondes seulement. Pour les décideurs, l'outil est très important car cela permet de tester et d'évaluer les conséquences financières à long terme de tout projet avant même de prendre une décision. Cet outil-là peut servir d'inspiration à toutes les villes du Québec parce qu'elle permet de planifier de façon dynamique les impacts de toutes nos décisions sur une longue période. Ce qui est innovateur dans cet outil-là, c'est que la masse de données, l'importance de la masse de données et des calculs fait en sorte qu'auparavant, on ne pouvait pas faire ce genre de choses-là manuellement. Maintenant, ça tient sur un simple portable. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.